bien le bonjour à tous. Petite présentation de Clonoa Door to Frontierland, un platformer sorti sur PS1 développé par Namco. Le titre est sorti en 1997 au Japon et en Amérique, ainsi qu'en Europe en 1998. Le scénario du jeu reste basique où notre héros Clonoa et son acolyte Weppo l'accompagnera afin de stopper les plans maléfiques de Gadius avec son bras droit Joker, voulant répondre le cauchemar de ce monde féerique. Nos aventuriers devront parcourir une douzaine de niveaux avec des constructions tout aussi intéressantes et qui apportent toujours une fraîcheur pour ce jeu enchantant. La composition sonore s'est effectuée en équipe. Voici quelques noms. Asuka Sakai qui a fait quelques pistes sonores sur Ridge Racer Type 4 ou encore Kanako Kakino participant à la sonorité de Tekken Sound. Regardons de plus près ce voyage qui m'a émerveillé de bout en bout. Le gameplay de Clonoa reste intuitif et facile à prendre en main. Le tout est de bien observer la position des ennemis. Notre petit héros aura la possibilité de les utiliser comme par exemple de passer un obstacle, de débloquer un interrupteur ou encore de casser des caisses. Les boss du jeu restent sympathiques à combattre où les derniers du titre vous demanderont d'être assez endurants et persévérants. Petit spoil de ma part, il faudra libérer les 72 fragments afin de pouvoir faire un niveau caché. Et vous aurez la possibilité de sélectionner votre niveau lorsque vous aurez terminé le jeu lors de votre première partie. Ainsi, Clonoa entre dans l'un de mes jeux préférés, grâce notamment à son ambiance, ses personnages attachants, sa construction des niveaux, son scénario riche en rebondissements, ainsi qu'une OST mémorable de mon côté. Il est l'un des jeux qui m'a fait verser une larme tellement son univers est magique et restera un grand souvenir vidéoludique. Un sacré titre qui mérite d'être parcouru. Je vous dis à la prochaine et à tout bientôt. Thank you.